Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va réagir à une artiste qui est très en vogue, mais que je n'aime pas particulièrement. Je vais me faire détester dans 3, 2, 1. Je parle d'Ava Max. Alors bon, je dis que je la porte pas dans mon cœur, mais en vrai, je la trouve quand même sympa. Enfin, il y a plusieurs sons d'elle que j'aime bien, que j'écoute quand même pour danser, etc. Il faut quand même avouer qu'elle a réussi à ramener la pop dance à la radio, ce qui n'était pas gagné vu qu'on est plus parti sur de la pop disco ou un peu plus du rap. Donc en tant que grand fan de la musique pop des années 2010, ça me satisfait. Mais maintenant, je trouve qu'elle apporte rien de nouveau et c'est ça qui est dommage. Alors elle a sorti récemment un album qui s'appelle Heaven and Hell, auquel j'ai pas réagi sur la chaîne par manque de temps, mais je l'ai écouté. Et donc pareil, bah, y a plusieurs sons que j'aime bien, mais il n'y a pas l'effet wow quoi. Enfin, en tout cas, pas en dehors des singles qu'on connaissait déjà. Et je ne comprends rien à son plan promo, puisqu'elle vient de sortir un nouveau son qui s'intitule My Head and My Heart et qui n'est pas du tout sur son album. Donc, je me suis dit que j'allais tourner une petite vidéo et redonner une petite chance à Ava Max, bien que du coup, j'en attends pas beaucoup d'elle, mais juste si elle me sert un bon bop frais et qui me donne envie de danser, je serai très satisfait. Donc, c'est parti, on écoute ça tout de suite. Oh, alors là, elle a utilisé un sample d'une musique des années 2000, donc j'adore, j'ai trop hâte de voir ce qu'elle va faire avec ça, ça m'intrigue beaucoup. Ouh! Ah, j'aime bien! Ouais. Bon, déjà le refrain, je m'attendais pas à ce que ça prenne cette tournure, donc je suis très content, c'est très cool, ça donne vraiment envie de danser. J'aurais juste aimé que le rythme soit un tout petit peu plus accéléré, mais bon, déjà j'aime beaucoup, donc on va continuer pour la suite. Un bop. J'imagine trop en boîte dessous. Il n'y aura pas de boîte. Come on. J'adore. Bravo Ava. Bah voilà, elle m'a fait changer d'avis sur elle. Genre vraiment, ce son, je pense que c'est l'un des plus gros bops de sa carrière pour l'instant. Genre, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Franchement, il y a tout. C'est un vrai bop, donc ça donne vraiment envie de danser. La mélodie, elle reste en tête puisque tout le monde la connaît. Les vocals, ils sont ouf. C'est super frais, enfin... Vraiment, là, il y a la recette parfaite pour faire un tube. Mais vraiment, ouais, genre cette chanson qui est sortie de nulle part, elle est meilleure que tout son album, genre. Je suis chouc. Donc bah j'espère pour elle que ça va marcher parce que vraiment pour le coup elle mérite. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Voilà, je vous fais plein de bisous et à très bientôt, ciao. Et bienvenue dans ce...